Bonsoir Zéphine, moi c'est Alexandre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06bis et on va regarder une série des FDG, les princes et princesses de l'amour, parodie humoristique des princes et princesses de l'amour, la télé-réalité, mais version humour, version ghetto et version street, plus affinité, rings et animosité. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bonsoir Zéphine, moi c'est Alexandre, 27 ans, célibataire, un enfant. Je fais cette vidéo pour Fatih. Je suis là pour apprendre à la connaître, faire connaissance, à discuter, à voir par la suite. Je ne cache pas que c'est une très belle fille. Cependant, moi, je ne m'arrête pas au physique. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne suis pas là pour jouer avec les sentiments des gens. Si tu es d'accord, je laisse mon snap à FDJ. Comme ça, on peut se recontacter. Voilà, voilà. Bonne soirée à toi. Bisous. Bah écoute, Soso, si t'es pas content, rentre dans le four à 400 degrés, on voit que descendre. Écoute, la princesse est pour moi, frère. Est-ce que t'as compris ou pas? T'as compris ou t'as pas compris? À ta tèche, frère. Hachem, à ta jetée, frère, en l'air. Jennifer, c'est pas pour toi, frère. C'est pas pour toi, c'est pas pour ta gueule. Va rejoindre, comme je t'ai dit, Najma, prends son escalope périmée, frère. Rouillé, frère. T'aimes ça, de toute façon. Mais qu'est-ce que t'aimes ça? Donc, va là-bas! Oh, t'es gibé, encore tranquille ou quoi? Cool ou quoi? Ouais, désolé, ouais, je suis venu parler pour la deux blonds, là, avec les yeux bleus, là. Ouais, t'as vu la deux blonds? Ouais, tu me plais pas, moi. Ouais, t'as vu la deux blonds? Le taux de cholestérol que t'as, et il est surélevé, c'est une dinguerie. Salut la team FDG, je réponds pour Alexandre. Bah écoute, désolé Alexandre, mais ça va pas être possible pour toi. Désolé. Salut la team FDG. Déjà, apprends à parler français. T'es là, tu me critiques. Ben écoute, je préfère vachement rester avec mon cholestérol que d'avoir ta tête. T'as raison, cache-toi bien parce que tu dois vraiment pas être terrible. Sur ce, bisous mon chat. Donc si vous pouvez me mettre en contact avec lui, ça me fait grave plaisir. Et voilà quoi, en passant les bisous la team. À bientôt. Donc si vous pouvez me mettre... Bonsoir tout le monde, bonsoir FDG. Alors je me présente Yumi. Je fais cette vidéo spécialement pour Alexandre. J'ai vu dans sa voix qu'il a un accent rayon. Bonsoir tout le monde, bonsoir FDJ. FDJ, bonsoir Yumi. Déjà, je voulais te remercier Yumi pour ta vidéo. Ça me fait grave plaisir, ça me touche énormément. Je ne m'attendais pas à une aussi jolie fille comme toi à me répondre. J'ai entendu dans ta voix que tu avais un petit accent. Si je ne me trompe pas, de la Réunion. Si tu veux en savoir plus sur moi, n'hésite pas. Bonsoir FDJ, bonsoir Alexandre. Alors, je fais cette dernière vidéo, Alexandre. Histoire que je prends mon snap avec FDJ. Histoire de se connaître un peu plus. Passe une bonne soirée. Et à bientôt, je l'espère. Bisous. Allez mon gaillard, arrête de parler sur moi dans tes lives TikTok, ta grand-mère, parce que ça va pas le faire. Que tu parles de moi, tu fais que ça, t'as que de la bouche. Claquette, 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 claquette par-ci, claquette, elle est là-bas. Ça me vient dans ta bouche. Arrête de parler sur moi. La vie de ma mère, arrête de parler sur moi là. Oh ça c'est, je suis vénère. La vie de ma mère, je suis vraiment vénère par contre. Si ma veine elle est en train de sortir comme ça, je suis vraiment vénère en fait. Arrête de parler sur moi. La vie de ma mère, ça va pas le faire. Moi je vais descendre, je vais gommer ta mère. T'as compris ou pas? Donc arrête de parler sur moi. La vérité, arrête de parler. Si je te réponds, je te réponds sur FDJ. Ferme ta bouche. Et pas parce que dans les lives TikTok, ta grand-mère là. Tu veux pas que ça c'est ta fille la consanguine? Bonsoir FDJ. Moi c'est Alexandre, 27 ans, célibataire, un enfant. Je fais cette vidéo pour Fatih. Donc voilà, c'était la story de FDJ, les princes et princesses du ghetto. Voilà. Donc il me semble que c'est l'épisode 9, si je dis pas de bêtises, ou 10. Je verrai sur la dernière vidéo que j'ai publiée si c'est l'épisode 9 et 10. Donc ils ont fait des heureux. Il me semble que les deux, ils sont à La Réunion. Ils ont fait deux heureux là. Deux heureux.
Et des malheureux aussi qui n'arrêtent pas de se clasher là, entre claquettes chaussettes et l'autre, voilà. Et la blonde qui, voilà, qui décide de ne plus clasher, c'est pas son truc, voilà. Voilà, tout simplement. Mais la blonde, elle était là à la saison 2, ça y est, je m'en rappelle maintenant. Elle était là à la saison 2, carrément. Bon, c'est à prendre au second degré, bien évidemment. C'est de l'humour, voilà, c'est que de l'humour. C'est à prendre au second degré, ce n'est pas à prendre au premier degré, bien évidemment. Donc, c'est le concept FDJ de faire comme une télé-réalité, voilà. Les princes et princesses et former peut-être des couples, voilà. C'est la parodie, c'est de la parodie, tout simplement. Donc, excusez-moi. Tout simplement avec des personnages qui commencent à devenir célèbres, comme Claquette Chaussette, Soso, Nejma, etc. Et Força Farouk, toujours enfermé. Oh purée, j'ai toussé, ça m'a tué, tant pis. Donc c'est la parodie des princes et princesses de l'amour, et plus si affinité, et ring si animosité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Naz06bis, premier sur les actus, les infos des influx, et l'humour, et tout ça. Tchuss.